Et bonjour à tous, ici Tars. Grosse news, en tout cas plein d'indices qui viennent d'arriver là, ça fait trop, je suis obligé d'en parler. Je pense, tout laisse penser plutôt, que on va avoir une compétition Hearthstone à la manière de l'Overwatch League l'année prochaine. Alors ça paraît fou, mais bon, l'Overwatch League fonctionne extrêmement bien et comme on va le voir, il y a plein d'indices qui laissent penser ça. On va commencer tout de suite par donc le team standing, la manière dont ça fonctionnait. Blizzard a commencé un peu là en 2018 de regarder pour faire des compétitions par équipe. Actuellement, c'est très simple, c'est juste qu'on cumule les points des joueurs de l'équipe et l'équipe qui est le mieux classée a un cash prize qui est pas ridicule. Donc pour chaque saison, chaque trimestre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous, on avait voulu s'y inscrire avec Ares. Et dans les conditions, il fallait que les joueurs soient sous contrat pendant l'ensemble de la saison, donc un trimestre. Et c'était précisé que pour 2019, ils demanderaient à ce que les joueurs aient un contrat à l'année. Donc il fallait s'attendre, voilà, 2019 à quelque chose de plus gros. Et donc ça pourrait être cette Hearthstone League, pardon. Donc, pourquoi Hearthstone League? En fait, il y a quelques semaines, je crois une semaine et demie, il y a Mike Lowell, un des fondateurs de l'UHL, je crois que c'est. Alors attendez, c'est quoi? C'est United Hearthstone League, qui est une ligue de Hearthstone amateur en fait. Hein, vraiment, vraiment quelque chose. Genre, c'est un match chaque semaine, je crois, sur 10 semaines. Il n'y a aucun cash prize, c'est tout à fait amateur. Eh bien, il a été contacté par Blizzard, qui lui expliquait qu'il risquait des poursuites s'il n'avait pas de licence. Et en fait, il se trouve que. Donc Blizzard accorde les licences pour ce genre d'événement, mais il ne veut pas qu'une organisation s'appelle Hearthstone League. Voilà, tu peux pas t'appeler Hearthstone League pour évidemment ne pas prêter probablement confusion avec une éventuelle Hearthstone League en 2019. Voilà, ce qu'on a vu. Et ça, c'est étrange, hein. Ça fait vraiment, c'est tout récent cette histoire, puisque bah, l'UHL existe depuis longtemps et il n'y a jamais eu de soucis. C'est vraiment maintenant que Blizzard commence à regarder s'il n'y a pas des trucs qui s'appellent Hearthstone League. Et, dernier indice, et c'est là, c'est arrivé cette nuit à 3h du matin, on a Fenno, qui est un des meilleurs joueurs au monde actuellement sur Hearthstone, ancien joueur Millennium, aujourd'hui chez F2K, qui en fait vient de quitter F2K, ainsi que Board Control, un excellent joueur également, et qui a tweeté qu'il avait des grandes nouvelles pour son futur, mais tout ce qu'il peut dire pour l'instant, c'est un petit logo de sanglier, un petit logo d'orange. Et une tête qui réfléchit avec un petit logo Hearthstone, voilà, avec un point d'interrogation. Donc ça laisse penser que lui-même, Board Control, hein, donc Sanglier, Board Control lui-même et Orange, ancien joueur Alliance qui n'a pas d'équipe également en ce moment, vont former une nouvelle line-up. Et là où ça devient ouf, c'est qu'instantanément, il y a Philadelphia Fusion, une des plus grosses équipes d'Overwatch League, qui a cité le tweet avec un petit cœur orange, ce qui laisse supposer que les joueurs iront chez eux, et une équipe Hearthstone qui rejoint une équipe d'Overwatch League, en tout cas ça laisse penser que ça pourrait être pour une future compétition Hearthstone League. Donc voilà, il n'y a rien d'officiel évidemment, peut-être que ça va être expliqué à la BlizzCon, peut-être que je me fais des films, peut-être qu'il y aura une Hearthstone League mais qui aura rien à voir avec l'Overwatch League qui sera un truc un peu différent, puisque c'est vrai qu'il y a un peu moins cet esprit d'équipe dans Hearthstone actuellement, hein. C'est surtout un jeu individuel. Donc, à voir comment ils vont faire ça, s'ils vont le faire, mais en tout cas, ça annonce que du bon, au moins du point de vue de la professionnalisation des joueurs et des compétitions sur Hearthstone. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous laisse penser? Dites-moi à quel pourcentage vous pensez qu'il y aura une Hearthstone League l'année prochaine, voilà, 100% vous êtes sûr qu'il y en aura une, 0% vous dites impossible. Moi là, je mettrais genre, allez, 85%, je dirais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et à très bientôt, là, il est 4h30 du matin, il faut absolument que j'aille dormir parce que je stream dans 1h30. Ciao, ciao!